Donc, re-bienvenue à Secret of Mana. Cette fois-là, on se trouve à la bonne place. On est allé directement à Gaia's Naval pour pouvoir aller au donjon en dessous. Donc, en gros, c'est comment? On n'avait pas remarqué avant, il y avait une nouvelle ouverture dans le mur. C'est là qu'on se dirige pour pouvoir justement aller dans la nouvelle section qui demandait bien sûr qu'on ait la magie de glace. On va voir comme drette là en tant que telle. Eh, ça, je me dirige là, c'est genre, hey, où c'est que c'est? Puis là, c'est genre, ah, ben oui, il y a un trou dans le mur, là. Coulons ça. Ok, moi, donnons ça. C'est ridicule. Fait qu'on va là-dedans. Là, effectivement, il va y avoir des orbes de même à peu près à mesure dans le jeu qu'on va rencontrer, qui vont avoir des couleurs différentes, puis ils vont utiliser la bonne magie pour pouvoir, justement, ouvrir le chemin. Donc, ça, c'est le premier de un exemple de même. On a un ennemi qui c'est un genre de chevalier. Ils prennent quand même une bonne volée, puis ils se cassent des buffs sur eux-mêmes aussi. Ils sont gossants parce que justement, présentement, mes bonhommes font pas beaucoup de dégâts contre eux autres, à part Randy, bien sûr, avec ses armes. Mais même à ça, ça prend une éternité pour essayer d'en descendre un, c'est ridicule. Mais avec la patience, ça. Puis j'y pense là, présentement, une manière facile de pouvoir m'en débarrasser aurait été de tout simplement casser des spells, puis je pense que j'ai allumé là-dessus comme direct là, en fait. Puis dit, ah, on va arrêter la bullshit, ok, mange la glace en face, puis ça l'a tué direct là, okay? 88 points de dégâts. La magie quand même assez forte étant donné que est en quantité limitée. Surtout que, tu sais, les spells coûtent de 1, 2, 3 MP pour commencer. Mais éventuellement, on va payer des spells qui coûtent plus cher, mais on va aussi avoir plus d'MP. C'est un de ces jeux-là où ce que les MP cap à 99. Donc, veux pas, on se ramasse à avoir des spells qui coûtent vraiment pas cher. Puis une chance que quand on gagne des levels, on reprend nos HP et nos MP au complet. Ça nous permet de progresser un petit peu plus, puis d'avoir un petit peu plus de facilité. Puis encore des maudits slimes qui se montent, mais cette fois-là, on n'aura même pas le temps de se diviser. Ah! Thank you.
Donc ici on rencontre un nouveau spirit. Ouais. Le gnome. Hey, hang on, hold up! You can't just barge in here. The great gnome ain't gonna let pipsqueaks on his tarts. Now scram! What a lot of hot air. Why don't you scram? Yeah, I'll teach you a lesson, little brat. Ha! Take this! Why, you little... Donc moi j'ai toujours pensé dans le jeu original que ce boss-là en tant que tel c'était le gnome qui se transformait en cette affaire-là. En fait le texte me donne l'impression qu'il était comme corrompu, puis le fait qu'il était corrompu faisait que papa il l'attaquait, puis que tout simplement après ça il se transformait pour nous vraiment nous sacrer de voler. Mais en tant que tel c'est un autre, carrément une autre entité. Donc le Fire Gigas, ça tombe bien qu'on a des spells de glace. Ça va simplifier le processus pas mal. Malheureusement, j'avais déjà dépensé des MP puis j'avais pas monté de level encore. Fait que ça a procuré un MP. Fait que je pourrais pas le spammer, mais autrement, ça aurait été une solution assez rapide. On you guys in frustration. No hard feelings? I'll show you hard feelings. Swear your loyalty to me, and maybe, just maybe, I'll forgive you. Otherwise, I'll throw you to my vicious bodyguard. Please, forgive me. I'll be your servant. I'll do anything. Hey, who are you calling your bodyguard? I know when I've met my match. Call on me anytime. I'll be there. Now. Close your eyes, boss. Now both you and the missus over there can summon me. Excuse me? Since when were we an item? I like your style, gnome. Well, that's that. Be seeing ya. Come on, we gotta get to the mana seed. Yeah.
Come on. My head. Ow. You okay? Hang in there. Sorry, I drifted off there. Give me a break. Hey, don't get ants in your pants. While I was asleep, my past came back to me. I lived in the forest in the Upperland. So it's decided, that's where we gotta go. I'll let you hang out with me until we get back to my home. You're welcome. Gee, thanks. Donc, on pogne le pouvoir de Gnome et on a un petit peu de développement encore une fois. Papa y a retrouvé ses mémoires, comment. Et on sait aussi qu'il faut qu'on s'en aille. Faut qu'on s'en aille dans les Upperlands. Comment on va faire pour s'en aller là? Il va falloir gosser un peu pour. Mais à ça, on a des spells plus intéressants. Donc, on a Earth Saber, bien sûr. On a les Ving qui sont le fun parce que ça fait un slow. Ça immobilise, je me trompe pas. Puis les Gem Missiles qu'on a mangé en face au début. Puis là, cette fois-là, je pense à utiliser la Escape Rope. Parce que, tu sais, c'est beaucoup de chemin à couvrir pareil. Can you hear me? Gemma has not returned from Pandora yet. Something must have happened. I sense evil in the Pandora ruins. Perhaps you can look into it and find out what's keeping Gemma. Luke is right. We need to get to the Pandora ruins on the double. Donc, c'est à ce moment-là qu'on doit aller à Pandora. comme que j'ai dit la dernière fois, je sais pas pourquoi j'avais l'impression qu'on pouvait faire le temple de Pandora pareil. Mais coulons. On pouvait pas que je pense en fait que je pensais qu'on pouvait faire le temple de Pandora en premier, même sans le pouvoir de la Terre. Mais apparemment c'était pas le cas. Ou peut-être qu'ils ont carrément forcé ça dans cette version-là du jeu, en tout cas. Cette fois-là, on sait exactement où c'est qu'il faut qu'on aille, fait que c'est là qu'on va aller. No way!
You staying? Hang on. That'll be... What is it? Is there something on my face? Just can't decide if I should make you my underlings or not. You look like troublemakers to me. Underling? Forget it. Besides, he looks more the subordinate type than I do. No way am I taking orders from them. So that was a strange act back there. Did you really manage to trick travelers into giving you money? No comment. That's not good enough. Tell me. No one else fell for our ruse except for you guys. Good. I don't want to travel around with a liar who cheated a bunch of innocent people out of their gold. Calling me a liar is a little harsh. I apologized already, remember? It's in my nature to be tricky. I'm a sprite. You just gotta expect a prank or two. Not on this journey. Fait que, papa il dit, faut que tu t'attendes à ce que je te joue une coupe de tour, je suis un sprite. Ouais, je pense pas que ça qualifie pour comme un raisonnement pour pouvoir dire, ok, ben je peux m'amuser à faire de la merde. Mais c'est le fun par exemple, encore une fois je le mentionne, mais je suis content qu'il y ait ces petites comme cutscenes-là ou petits dialogues quand on est en au lieu de juste aller se coucher puis d'aller se relever. Ça permet justement de développer un petit peu plus de ses personnages. Et cette fois-là, on se dirige au sud et cette fois-là, on va parler avec Pamela. Il va se passer de quoi? Pamela? What's... She disappeared. The ruins are down there. Let's check them out. Hey, elle disparaît d'un coup sec. Juste dans un pou. Parce que les autres fois, elle pouvait pas, tu sais, on pouvait pas marcher autour d'elle. Mais... pas grave, on va aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette place-là. Pretty neat, huh? You're going to be what? Pamela, snap out of it! Ugh, stop whining. Just leave me alone. Hey, Pamela! Pamela! What are you guys doing? Get out of my way! We have to hurry, or Pamela's a goner. Dilek's supposed to be there, too. What is this? C'est drôle, la manière que Randy dit What is this? C'est genre comme il a l'air vraiment creeped out. C'est genre, qu'est-ce qui se passe? Puis c'est genre, il est pas à l'aise avec ça. La version Super NES, je me souviens bien, il dit ça, oui. Mais, étant donné qu'on n'a pas l'intonation, c'est juste genre, c'est quoi ça? Pas dans le sens comme c'est inquiétant, c'est juste bizarre.
Et cette fois-là, on va rencontrer des ennemis qui sont vraiment chiants, qui sont les Tomatoman, les genres de créatures d'un pot que vous voyez au, qui viennent crever en fait compte. Ils ont une évasion assez incroyable, merci, c'est assez dur de les toucher. Fait qu'utiliser la magie est pratique, puis utiliser aussi les arcs et les javelins fonctionne bien. Ça m'a juste pris un bout avant de m'en rendre compte, parce qu'il y a des bouts que je vais essayer de me battre contre les Tomatoman dans cette verge dessus, puis ça finissait pas. Bien encore, là on a encore les chevaliers qui s'amusent à nous rentrer dedans pour faire du dégât à tout le monde. Là, je sais pas ici de qu'est-ce qui s'est passé. Ça donne l'impression quasiment que les dégâts étaient annulés ou genre que les. Peut-être les dégâts des épées ou des armes ont comme overridé le dégât des spells parce qu'il me semble qu'ils ont pas mangé de dégâts pis c'est. Ils ont juste survécu facilement. Ou peut-être pas, c'est peut-être juste qu'ils sont forts contre la terre, puis je suis cave, puis je casse les spells de terre contre des ennemis qui sont forts contre la terre, ça arrive. Mais coudonc. Mais vous avez vu à peu près genre à quel point que les Tomatoman sont. Ridiculement capable d'éviter toutes les attaques. C'est. Je me rappelle pas si la version Super NES était aussi ridicule que ça. Il me semble que c'était pas le cas. Mais leur évasion a pris comme un coup de plus. Pas mal plus difficile à toucher qu'auparavant. D'après moi, en fait. I'm ready!
attention. Healing powder of Undy. Cure water. Thanks! More than that.